attendez, par la puissance de la parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Assoya, comme nous dit, nous allons parler de comment ou capable faire face avec combat spirituel qu'on mène dans dormi. Gayon foi que nous t'a enseigné, moi t'ai dit ça. Chaque temps ou bral dormi, ou besoin considérer que wap monter sous yon terrain de bataille. Chaque temps bral dormi, ou besoin connaître wap monter sous yon terrain de bataille. Pendant que corps a reposé, en pile fois esprit ou a mené gros bataille spirituelle. Et bataille qu'on gagne dans dormi, ou a vin gagne dans jeclé. Mais bataille qu'on perdu dans dormi tout, si ou pas gata annulé, ou capable perdu dans jeclé. Parce que ça qui fait dans dormi, manifesté dans jeclé. Salomon t'a dormi. Et puis pendant l'abdomen, il dit, ouais, bon Dieu paraît devant. Il dit, Salomon, qui sauve-le, ma baoul. Et Salomon dit, Seigneur, moins pas besoin, moins jeune, moins besoin sagesse pour me diriger peuple là. Et l'Éternel dit, puisqu'on pas mandé l'argent, pas mandé richesse, ou pas mandé la célébrité, eh bien, il dit, qu'on ça m'a bon sagesse avec toute l'autre bagaille ça y est. L'Éternel dit monsieur n'a dormi ma baou la sagesse. Le monsieur levé dans demain matin, il y a deux femmes qui deux prostituées qui dans même nuit là tout qui t'a dormi. Et puis l'une prostituée yo roulé sous petite palal touyel. Et puis il prend palal changer avec palote là. Et puis quand il y a l'autre la levé, il dit ça c'est pas petite femme non. Il dit oui, c'est petite femme là. Et puis gros goumen qui pétait entre yo. Et puis quand il y a le devant wa pour wa juger causé a. Pour situer ça a dit c'est petite vivant, c'est une petite moins. L'autre l'a dit c'est petite moins. L'autre l'a dit c'est petite moins. Salomon a demandé qui ça pour me faire là puisque pas gagné témoin pour nous connaître qui est ce qui vrai petite là. Et bien monsieur Campbell dit eh bien n'a pas résolu le problème non. Lire l'on soldat, il dit, pour épée pour moi. Eh bien, il dit comme ça, puisque nous ne pouvons pas décider qui est-ce qui maman petite là, m'a divisé l'un deux, m'a banou chacun bout. Eh bien, l'elle dit ça, Géyoun qui dit, non, pas faire ça, ou mettre fait l'autre d'accadol, ou mettre fait l'autre d'accadol. Ah, il dit, madame, viens prendre petit tout parce que c'est où vrai maman. Est-ce qu'on t'a dit ça, m'a dit, hein? Il dit, c'est où vrai maman. Moun qui le voulait, laisser petite là aller pour le vivre, c'est lui vrai maman. Eh bien, ça veut dire sagesse. Et la Bible dit, le Salomon rend jugement ça. Et puis, tout le monde entend des jugements Salomon rend. La Bible dit, Israël t'est étonné, de sagesse que Salomon t'a gagné. Ça veut dire sagesse, bon Dieu, bral, non. Bon Dieu, t'es bali, non, dormi. Il manifesté dans Jéclé. Il était avec monsieur pour toute reste ville. Pour qui ça me dit ça? Ça veut dire, bagay qu'on recevra dans le dormi, yoke pour yon manifester dans j'éclair. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Pas penser que rêve sont petits bagay qu'on s'allie. Pas penser que rêve sont bagay à la légère. Pas penser que rêve sont bagay simplement psychologique que lié. Rêve capable de réalité très spirituelle de yel. De en pile rencontre spirituelle qui cap fait dans rêve. Donc, à travers rêve ou capable de faire des rencontres avec Dieu, Salomon te fait rencontre avec bon Dieu. Joseph te rencontré avec ange dans rêve. Marie, etc. Et tant d'autres personnes rencontrées avec des anges dans des rêves. Donc, ou capable de rencontrer avec bon Dieu dans des rêves, ange dans des rêves. Mais malheureusement, des puissances démoniaques tout qu'on a rencontré dans rêve. Et, enseignement, ça, livre, ça, m'écrit. M'écrit parce que je connais grand pile monde qui fait face à puissance démoniaque dans rêve pour connaître qui ça y est et comment on fait face avec yo. Un type de mauvais rêve, cauchemar, monde souvent fait. C'est souvent yo gade yo wè y a goumen avec animal nan dormi. Yo gade yo wè y a goumen avec bête
nan dormi. Yo gade ou a goumen avec serpent. Tout à l'embral parle de différents types d'animal. Qui ça yo signifie l'oué yo vin attaque ou nan dormi. Mais gen moun ki goumen avec différents types d'animal nan dormi. C'est yon bagay qui assez commun. Animal sa yo l'oué ou a goumen avec yo. Animal sa yo se pa sep animal yo ye. Ce n'est pas l'animal normal que vous avez, ni ce n'est pas simplement l'imagination que vous avez. Mais lorsque vous avez avec bête dans le domi, vous avez avec bête, vous avez avec animal dans le domi, eh bien, animal, ça, ce sont des esprits que vous avez, mais esprits qui manifestent sous forme bête. Donc, par exemple, lorsque, par exemple, la Bible a parlé dans Psaume 91, verset 6, il dit, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et puis, plus loin, verset 13, Libralvin dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et puis, il dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. L'Éternel a dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est pas lion normal que la palée. C'est pas aspic normal la palée. Mais ce sont des puissances démoniaques. Donc Jésus-Christ va le camper plus tard. Il va le dire dans Luc chapitre 19. Jésus va le dire, je vous ai donné le pouvoir. Il dit de marcher sur les serpents. Attendez, oui, sur les serpents et les scorpions. Qu'on pas comprendre qui ça serpent yé, en cas qu'on pas comprendre qui ça scorpion yé, l'ajouter, lui dit sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire serpent avec scorpion ça yé, c'est pas bête normal yé, ce sont des manifestations de la puissance de l'ennemi. Est-ce que l'église commence à m'en dire là? Ça veut dire être puissance ennemie qui a manifesté comme serpent. Puissance ennemie qui a manifesté comme scorpion. Donc, il y a quelques bagages qui prennent dormi. C'est pour un petit bagage comme ça lié. Son esprit qui manifestait sous forme ça. Bambok, quelques d'autres exemples. Alors, il y a plusieurs, un pile de détails. Même, je ne vais pas entrer dans tout le détail. Regardez Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Vous allez remarquer que il y a un esprit qui manifestait sous forme bête. Alright? Apocalypse chapitre 16. On nous lit versets 13 et 14. On nous lit ensemble. Qui ça le dit? Il dit, je vis sortir de la bouche du dragon. Et puis il dit, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Toi qui ça? Toi? Toi qui ça? Toi qui ça? Trois esprits impurs. Et puis il dit, qui ça esprit y'a semblé? Y'a été semblable à des... Où nous c'est qui ça? Ah! Il dit, moi, trois esprits impurs, mais les absorti, y'a semblé trois crapauds. Ça veut dire, un esprit démoniaque qui a manifesté sous forme crapaud. Il a manifesté sous forme serpent. Il a manifesté sous forme scorpion. Et puis, regardez qui ça le dit, plus loin, il dit, les disciples là-bas des gonous, et puis regardez qui ça le dit. Next part, il dit, ce sont des esprits de, ce sont des esprits qui ça, de démons. Et puis, il dit, qui font des prodiges, hein, et puis qui vont vers les rois de la terre. La Bible dit qu'on ça, esprit ça, c'est esprit de démons. Mais comment ils ont manifesté? Ils ont manifesté sous forme crapaud. Donc ça veut dire l'homme on a dormi dans la nuit. Les gardes l'ouel des problèmes, les gardes l'ouel la gouma avec crapaud, la gouma avec chat, la gouma avec rat, la gouma avec serpent, la gouma avec taureau, c'est pas juste des animaux que yoy, ce sont des esprits que yoy. Et chaque forme, chaque type d'esprit, chaque qualité d'esprit dépend de mission des mondes, hein, la prend une forme différente. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Chaque esprit dépend de qui mission esprit infernal ça a gagné. Libral prend une forme différente. Donc, bon, bon, quelques exemples de différentes formes que esprit capable de prendre. Vous comprenez et qui ça signifie. Donc, par exemple, des moun qui a dormi et puis yo gade yo we guêpe entouré yo. Yo gade yo we guêpe entouré yo.
ou bien yo gade yo gep, yo miel entouré yo, sorti pour mordre yo. Qui ça ça signifie? Qui ça ça signifie? Gardez dans Deutéronome chapitre 1 verset 44. Li parle nous de un peu de signification ça. En nous lit, il dit comme ça: alors les Amoréens qui habitent cette montagne, il dit sortir à votre rencontre, et puis il dit comme ça: et vous poursuivre comme il dit l'Éternel. Moïse là qui a parlé avec Israël, l'a parlé les Cananéens, yo, les armées cananéennes n'ont pas attaqué Israël. Il dit comme ça: yo te poursuivent tant qu'ils ont valé guêpe, yo te poursuivent tant qu'on valé miel, yo te poursuivent comme des abeilles. Donc en réalité, mais l'elle dit abeille là, qui ça abeille là te représenté? Il te représenté l'armée qui t'a couru derrière Israël là. Est-ce que l'église allait ça m'a dit là? Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? C'est ça que fait. Donc abeille, l'organe ou un paquet abeille qui campe contre vous. L'organe ou un paquet guêpe, ou abdomine en nuit et pour entourer de guêpe. Ça veut dire, gon l'armée démoniaque que l'ennemi a mis dehors. C'est ça que fait David Bradi dans le psaume 118. Il dit: elle m'environnait. Est-ce qu'on avait mis? Elle m'environnait comme des abeilles. Et puis il dit qui ça, mais elle s'éteint comme un feu d'épine. Il dit: elle m'environnait comme des abeilles. Mais elle dit: au nom de l'Éternel, je les taille. Déclaré depuis c'est à mes démoniaques ennemis en la guerre d'ailleurs. Tant qu'on niche guêpe, c'est pour tailler en pièces. Sous ta gosse, ça dit quoi? L'organe ou est miel autour de vous, l'organe ou est guêpe environné, ça veut dire ennemi en détaché. C'est pas un grain démon, c'est pas un grain baka, c'est pas un grain esprit infernal. Ça veut dire son larme que l'a derrière. Et maintenant, vous connaissez un bagaille. Abeille, une bagaille que vous gagnez, une bagaille que vous gagnez, vous organisez. Yo genye yon reine, yo genye yon moun kap dirige, genye yon moun kap bay commande. Et puis lè lòt la di pap avance, et pou gade ouè tout avance. Ça veut dire lò ap dormi ou gade ouè, ou paquet abeille environné ou, guêpe environné ou. Ça veut dire ennemi en lage, yon l'armée derrière. Mais pas seulement yon l'armée, ça veut dire son l'armée démoniaque, mais yon l'armée démoniaque qui bien organisée. Ça veut dire côté OEA, il a fonctionné en réseau. Youn kon lot, gen youn New York, gon lot Miami, gon lot Haiti, gen youn nan travay la, gon lot nan fami an. Et puis tout ap koordone youn ak lot. Yo gen walkie-talkie spirituel yo, yo gen WhatsApp spirituel yo, et puis ap voye mesaj pou wè comment yo ta bloqué yo, comment yo ta barré yo, comment pa ta rive, mais parole la dit au nom de l'Éternel, je les taille. Aïe, 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 levez-moi, dis gloire. Regardez, pendant ma prêcher, ma prononcer tout, pendant ma prononcer prêcher, ma relâcher des paroles prophétiques. Au nom de Jésus de Nazareth, moi dis au nom de Jésus, pendant 40 jours, toute l'armée qui campe contre vous, c'est pour tailler en pièce. Moi dis toute l'armée qui campe contre finance, c'est pour tailler en pièce. Toute l'armée qui campe contre avant-grand, c'est pour tailler en pièce. Toute la mec tu pas privé, c'est pour tailler en pièce. Sous d'accord, ça dit gloire. Regardez, l'on commence à faire des rêves. L'on commence à faire des rêves comme ça. Et pour avoir capacité pour interpréter, ça relève intelligence spirituelle. Ça veut dire, ou bien doit tap dormi, de pou gado dormi, et pou ou gado ouè, guêpe entouré ou, et pou ouè miel entouré ou, ouè wap marche, et puis guêpe ap courir de yon, ou compagnie guêpe, ou la mè guêpe ap courir de yon. Ça veut dire déjà qu'on est, sous te gen trois, ou te passe trois mois pas de jeûner, c'est pour aller chercher trois jours jeûne, pour aller mettre devant bon Dieu. Sous te négligeant dans la vie de prière, ou quand t'as rangé quoi papa, parce que le ciel quand t'as bon révélation, li fort qu'on est que ennemi, hein, à peine détaché, yon am mais contre vous, gè kèk bagay, lò gen intelligence spirituelle, ou pas prendre mauvais coup, lò gen intelligence spirituelle, diable a pas fait d'appli en dessous, lò gen intelligence spirituelle, ou pas prendre surprise, parce que les bon Dieu parle ou comprendre, et ou connaît comment pour positionner, pour gagner la victoire, sous d'accord, ça dit quoi? Yes. La capacité d'interpréter les rêves,
la capacité d'interpréter les songes, la capacité d'interpréter les visions, lui fait partie de ça, elle est intelligence spirituelle. Ça, c'est pas intelligence naturelle. Ça, c'est intelligence spirituelle. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? Et pour garder, ou garder, l'organe niveau d'intelligence, ça, ou garder, ou moun, qui est plus intelligent, plus éduqué, qui a plus connexion parce qu'on apprend gros coup, et puis ou même chaque coup prend, et vous coulez. Parce que pendant que tu as dormi, bon Dieu, tu es ton bagaille. Pendant que tu as reposé, tu es révélé en bagaille. Pendant que tu es en vision, tu es montré en bagaille. Et puis vous te comprendre, vous te agir. Déclarer pendant 40 jours, ça va être une intelligence spirituelle. Gen quelques fois, gen quelques moun kap dormi qui wè gèp. Gen moun kap dormi qui wè gros taureau bœuf. Vin attaquer yo, ça important. Gen moun kap dormi qui wè gros taureau bœuf kap vin attaquer yo. Lò gade ou nan dormi ou attaqué, ou goumen avec yon taureau. Yon taureau. Qui ça taureau a signifie? Gade nan Amos chapitre 4, verset 1er. Amos chapitre 4, verset 1er. Il dit qui ça? Écoutez cette parole. Génisse de Bazan. Anglais a dit cows of Bashan. Ok, génisse de Bazan qui est sur la montagne de Samarie. Et puis regardez qui ça dit. Il dit vous qui opprimez les misérables et qui a qui? Et puis il dit qui écrasez les indigents. Génisse là c'est femelle taureau. Donc regardez qui ça le dit. Il dit comme ça ou c'est ou opprimé et ou écrasé. Maintenant l'or a pensé avec un taureau. Qui sont pensé? Qui sont pensé? Un taureau. L'or pense à taureau. Sont pensé? Ah. L'or pense à taureau ou pense avec force. Donc ça veut dire l'or a dormi ou ayon un taureau a bien attaqué. Ça veut dire diable a voyé plusieurs petits sergents déjà. Il voyait plusieurs petits soldats déjà qui pas bal résultat. La ça veut dire il déplacer un baka qui a force. Il déplacer un baka qui n'en haut niveau. Il déplacer un baka qui qu'on écraser. Il déplace un baka qui qu'on opprimé. L'homme a dormi ou a goumé avec un taureau. Ça veut dire c'est pas avec ou a goumé avec un taureau. Ça veut dire c'est pour un petit démon normal ou a goumé avec une principauté, ou a goumé avec une autorité, ou a goumé avec un diable, un baka de haut niveau. Mais ça me remet avec Jésus, quel que soit le niveau que le gagne. Est-ce qu'on avait mais la Bible dit qu'on s'alimente nous chita en Christ au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Moi déclarer quel que soit taureau qui a attaqué ou taille en pièce. Dis quel que soit taureau qui a attaqué ou taille en pièce. Quel que soit principauté qui a attaqué ou taille en pièce. Quel que soit autorité qui a attaqué ou taille en pièce. Yes. Ça veut dire l'eau a dormi ou garde ou a goumé avec taureau, bœuf. Ça veut dire ou comprendre que lutte là, il prend l'autre niveau. Ça veut dire tibaka, yo te voye avant yo pa ba résultat. Kounya yo chercher quelque colonel, quelque général, yon ki nan haut niveau. Donc gen moun k ap dormi ki rêve gèp, gen moun ki rêve taureau. Ça très important. Gen moun k ap dormi tout ki rêve chien. Chien ki autour de lui, chien qui autour de lui, chien qui a dit Michel, chien qui a couru derrière, etc. Lorsque vous avez dormi, vous avez dit chien a dit Michel, chien a dit autour de vous, chien a dit couché sur vous. C'est un mauvais rêve que lié. Lorsque vous avez dormi, vous avez un taureau, c'est un esprit d'oppression que l'ennemi a. La Gédéo, ça veut dire qu'il faut vaincre l'esprit d'oppression. Ça. L'abdomen ou rêve chien a bien miché autour de vous, a bien couché sous vous. Son esprit d'impureté que diable a la Gédéo.
son esprit d'immoralité sexuelle que ennemi a rangé col pour la guédéo. Donc faut qu'on s'allie et puis pour ranger corps. Donc l'or abdomen, imaginez chien qui s'allie. Nous pas me connaît chien gay madame, chien gay mari? Non. Chien pas gay madame, chien pas gay mari. Depuis l'ilan la ria là, n'importe ça loya mon nan monté etc., etc. Donc yon chien son bec yon chien li symbolise impureté sexuelle, prostitution, etc. Gardez le livre du c'est ça que fait le livre du Deutéronome. Gardez Deutéronome 23 verset 18. On nous lit ensemble, il dit qui ça? Tu n'apporteras point de la maison de l'Éternel, qui ça le dit? Le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Le mot chien, il signifie une prostituée mal. Donc c'est ça qu'elle dit. Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée, cela veut dire au féminin, ou bien elle dit d'un chien, ou bien d'un prostitué. Parce que d'un prostitué fille, d'un prostitué garçon. Au temps de la Bible, ils ont prostitué garçon, ils ont été les chiens. Donc cela veut dire son esprit d'immoralité sexuelle que lié. Donc l'homme ou gade ou abdomi et pour garder où est chien a vin autour de ou chien a vin niché. Ça veut dire ennemi a pris l'école pour laguer un vieil esprit d'immoralité sexuelle, adultère, fornication, pornographie, vieil tintin. Ça veut dire sous ta vie chrétienne nous. Et puis, ou gade ou abreve chien, ça veut dire, sous te négligent dans quelque bagaille, range pio. Sous te négligent, range pio. Sous qu'on abrete tard dans quelque conversation, dans téléphone, dans travail, gen vie, blague sale, y'a baye, et pour te qu'on entre dans la station, range quoi? Si te gon patron, le la passe, le gonge la frotte col sou. Rangez corps. Parce que de pour garder bagasse, ça veut dire ennemi lagué, yon esprit d'immoralité sexuelle. Même déclaré depuis c'est esprit chien, esprit impureté, esprit immoralité sexuelle. Yon pas jouen aucun moun là au nom de Jésus. Yon pas jouen personne qui tombe là au nom de Jésus. Allez, force ou dit, tombe jam. Jésus pas sauvé pour mener vie chien. Jésus pas te sauver pour mener vie impure. Jésus pas te sauver pour m'adriver comme dans la rue. Jésus te sauver pour le sanctifier, pour le laver, pour le purifier et puis pour le faire paraître clair dans le royaume de Dieu. Levez mon dit gloire. Et puis pendant ma prêcher à la ma peine, bon Dieu, tant de bon Dieu dit ça dans l'esprit. Gayon moun ki la tout temps qu'appelé des rêves chiens, mais ou gon habitude pornographie tout. Et puis bon Dieu a dit comme ça, quelque chose quand toi il va attendre voir là. Bon Dieu a dit vieux rêve chien ou appelé de faire, il connecté avec pornographie ou regarder dans le téléphone. Que bon Dieu libère ou soit quel que soit côté toi. Au nom de Jésus. Des monde qui a dormi et puis qui ouais mouche qui autour de yo. Qui ouais mouche qui autour de yo. Regardez ou a dormi ou est mouche autour de où, c'est un vieux rêve lié. Esprit mouche. Est-ce que vous avez ça m'a dit là? Pas joué. Mais pas de esprit que vous chassez là, non? Esprit guêpe. Esprit taureau. Esprit chien. Esprit mouche. Il y a un monde qui garde quoi mouche qui autour de vous. Et dans Luc chapitre 11, verset 18, il y a même les pharisiens qui appelaient Jésus Belzébul, mais qui réellement signifie roi des mouches. C'était un jouement, il y a été Jésus-Christ. Maintenant, mouche, qui ça le représente également? Well, posez question ça. Qui côté mouche aller? Dans la saleté, dans la fatra, dans la viande pourrie. Tout côté de pourriture, tout côté de pourriture, ou gagne mouche qui la donne. Tout bagage qui a décomposé, ou gagne mouche qui la. Côté gain puante, mauvaise odeur, et mis en fonctionner là. Ça veut dire l'eau abdomi,
en tant que chrétien, ou gade ouè mouche a courir de yon, mouche a vin poser sou, ça veut dire ennemi en gros plan pour la vie, ennemi plan diable pour la vie, c'est pour ta ouè la vous pourri. L'on fait vieux rêve comme ça, c'est pour lever neve. Vieux rêve ça yo, toujours dit ça, c'est ton servant oui, qui te dit ça depuis là, ça me prend leçon ça. Quelques rêves vous fait, même quand on fait rêve, l'on pas pour lever, lever, ou dit rêve, vini m'balo. Rêve, vini m'balo. Et puis, allez dans la toilette là, ouvrez la toilette là, et puis flashez. Et puis dit rêve, mais quand on brale, ou pas que doit jamais marcher, ou pas que doit jamais réaliser, ou pas que doit jamais concrétiser, moi ken solo, moi annulé dans les lieux célestes, la vie pas que doit jamais pourri, parce que mon cap marcher avec mon Dieu, m'allait de gloire en gloire, la vie pas que doit jamais pourri, parce que la Bible dit, le juste lit en couillon soleil levant, tant que m'a avancé, m'a plus clairé, au nom de Jésus de Nazareth, la vie pas que doit jamais pourri, parce que m'a servi le, regardez l'étoile du matin, c'est le nom de Jésus. Est-ce que m'tade ça m'a dit là? Levez mon dit gloire. Yes. Faut comprendre rêve ça parce que sous pas comprendre yo ou pas ka combattre yo. Est-ce que comment ça m'a dit hein? Sous pas comprendre yo pas combattre yo, on va penser son bagage qui normal. On va penser son petit rêve comme ça consalier. Donc faut camper contre yo au nom de Jésus de Nazareth. Hallelujah. 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 Gen moun k'ap dormi ki wè renard. N'est-ce pas? Renard et n'a dormi. Renard n'a dormi. La Bible parle de ça, n'est-ce pas? Nous déjà connaissons une bagaille que. Nous connaissons une bagaille que renard est connecté avec ses ruses, n'est-ce pas? Que nous jouons dans Jean de la Fontaine. Mais la Bible allait un petit peu plus loin. Gardez dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Vous connaissez ça? En nous lit qui ça lui dit? Prenez-nous les renards, les petits renards, et puis il dit qui ravage les vignes. Donc cela veut dire, le renard, c'est pas seulement un animal qui rusé, mais ruse, renard là, qui a ravagé la vie. Il n'est pas seulement venu pour venir faire soupin, prendre un soupin. Donc ça veut dire, l'organe de renard, ça veut dire, ennemi à la guerre, esprit de ruse. De ruse derrière, mais ruse ça qui job li c'est entrer pour l'entrée tout doucement dans l'estomac ou tant couillon zami, tant couillon famille, tant couillon moun ki reme ou, tant couillon moun ki nan saïdou, et puis l'elfine entre en dedans pour le ravager tout ça. L'or ou a dormi ou a plébé, rêvé, renard, c'est pour demander l'éternel pour faire un examen de amis qu'on a autour de vous, moun qui n'a sein, moun qui n'a l'estomac, c'est pour demander mon Dieu pour faire un travail d'inspection pour vous. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? Si vous comprenez ça, m'a dit à dit gloire. Donc, renard, c'est bête qui rusé. Yo rusé. Mais en même temps, les lap vinil qui doit venir en zami. Le lap vinil vini doucement. Mais les mordé, les attaqué, li ka ravagé. Est-ce que l'église de ça m'a dit là? Aïe aïe aïe. Donc sou ap dormi ou appelé de rêver renard, c'est pour demander l'éternel. Révélez-moi qui moun ki renard. Révélez-moi qui côté renard là. Ou qui côté renard là. Donc, les bon Dieu commence à révéler des choses comme ça, ou connaît ça le signifie, et puis ou à l'entrée dans la prière pour bon Dieu révéler, il vient permettre que renard n'a pas d'entendre ravager. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? On nous dit intelligence spirituelle. Bambo quelques graines encore, bambo quelques graines encore avant de prier. Quelqu'un qui a dormi, rêvé, scorpion. Scorpion. Donc, esprit renard, soit esprit ruse. Esprit scorpion, ou gade ouè, nous connaît. Donc scorpion, c'est un engin que Satan le diable manifeste l'empile. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Le abdomen ou rêve scorpion, ça veut dire. Gardez dans Apocalypse chapitre 9, le verset 5. Apocalypse chapitre 9, le verset 5. En nous lit ensemble. Il dit qui ça? Il leur fut donné nom de les tuer.
mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Douleur scorpion, c'est une douleur qui est plus terrible qui gagne. Ça veut dire l'homme abdomen ou gado ou scorpion derrière pour venir piquer. Ça veut dire ennemi en la gagne un esprit de calamité dans le corps. Ennemi en gagne dit qu'on s'en pape. Li pa bral touye ou, men li bral wè sou ta fè tout la vi ou tourmente, tout la vou nan problème, tout la vou nan tête chargée. Ça veut dire lòd do mou gade wè gen scorpion ka pou dayò. Faut écraser tête li. Faut écraser tête li. Di faut écraser tête li. Mais la Bible dit qu'on sal ba nou le pouvoir. Alléluia. Pour marcher sous scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Moi déclare depuis cet esprit scorpion ennemi à la guerre, derrière petit tout, c'est pour craser tête lui au nom de Jésus. Sous recevoir dit gloire. Sous recevoir dit gloire. Sous recevoir dit gloire. Yes. Gen moun k'ap dormi ki wè rat avec souris derrière yo. Environné yo, etc. Rat avec sourite. Rat avec sourite. C'est animal qui était côté fatraillé. Côté fatraillé. Et yo l'a eu détruit. 1 Samuel chapitre 6, verset 4. Je vais prendre pour me lire tout verset avec moi, capable de mettre comme référence. Il était comme déchet. Le gagnon plaît qui te détruit Israël. Et puis la Bible dit qu'il te détruit les Philistins. Et puis les Philistins ont besoin de faire un sacrifice. Dans 1 Samuel 6, 4, la Bible dit comme ça. Ils ont fait des rats en or. Et puis ils ont mis dans l'arche là. Et puis pour ils ont envoyé back en Israël. Rat en or, la rat ça qui était en or. Ils ont représenté plaie qui t'a décimé pays. Donc un rat avec souris, c'est bagage qui t'a détruit tout son gagnon. Mais nous connaissons comment lier qui ça encore? Les gars ont mangé tout bon bonjour là. Mon pas j'aime sentir parce que c'est qui ça? Mort dessoufflé. Donc l'eau a gardé rat, ça c'est un animal destructeur. Rat tout, non seulement il détruit, mais il détruit jusqu'à ce que le réduit à rien. Rat tout, c'est un animal qui connecté avec pauvreté. Il connecté avec pauvreté parce que son animal qui était dans fatra. C'est un animal qui était dans déchet. Donc, l'organe de appelé de dormir, rêver, rat. Ça veut dire ennemi a venu pour détruire la vie ou pour réduire la vie à rien, la vie ou à fatra. C'est ça qui fait souvent connecté à pauvreté. Je crois que témoigné à ça plusieurs fois à l'église là. Même quoi elle vaut la peine pour me rebali peut-être qu'il y a quelques monde qui va jamais entendre. Rat. Et on dit qu'on s'est connecté avec pauvreté. Moi-même, moi vivre bagaille ça d'expérience personnelle. Me songeais que quelques années de cela et nous décider moi-même avec madame nous décider pour acheter un caille. Peut-être 5 ans de cela, nous décider pour acheter un caille. L'homme décider pour acheter, nous te quand fait toute préparation, nous fait préparation pour crédit, nous quand gagné un crédit que le nécessaire pour te acheter. Nous avons besoin d'argent déposit, nous avons presque 3 fois comme déposit que nous avons besoin pour acheter cala. Donc nous connaissons pas de problème pour déposit, nous connaissons pas de problème pour crédit, nous connaissons pas de problème pour travail, etc. Donc tout ça nous besoin pour nous gonkaille lila déjà. Quand il y a l'homme décidé à l'acheter cala, madame moi a dormi et puis il garde le wagon moun qui paraît devant. Tendez oui. Li ou moun paraît devant et puis moun nan dit m'besoin konnen si pasteur qu'on achete kay. M'besoin konnen si pasteur qu'on achete kay. Ah, ça son bagay fort oui m'dou là. M'besoin konnen si pasteur qu'on achete kay. Alors moi même m'prend rêve là à la légère. Moi ça m'dou là les madame moi relé me dit comme ça et m'besoin konnen si pasteur qu'on achete mais ça loué li ou moun paraît devant li vinn fè explication, li mande si pasteur qu'on achete kay. Je dis, je dis, fille, je dis, toujours, c'est des rêves de rôle, il y a fait. Je ne suis pas occupé parce que je me sens,
nous trois bien, nous avons crédit, nous avons l'argent, nous avons tout le bagage, nous besoin. Et Kaila, nous avons l'acheter, c'est pour Kaila, nous avons chercher, nous habiter dans Kaila déjà. Donc, ça, c'est parole vent. Donc, je ne dis pas rien. Maintenant, moi, je dismiss ce rêve-là, etc. Parce que nous espérons son bagage. Bon, dans l'espace de 2 mois maximum, qui va même besoin de prêter, nous jouons un cas là déjà. Nous avons fait pre-authorization, pre-approve, nous avons nous avons un cas là. Bon, qui ça a besoin? C'est juste les formalités. Donc, non, 2 mois pour nous finir. 1 mois passé, 2 mois passé, 3 mois passé, 4 mois passé, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Pendant tout ça, chaque semaine, vous êtes chargé. Chaque semaine, vous êtes chargé. 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an a passé. Chaque semaine, vous êtes chargé. 1 an. L'année est sous 1 an et quelques mois, nous allons signer le dernier bagage là, n'aller la caille élément pour nous signer. Et puis, l'année signé, c'était dans le mois de décembre, donc cela veut dire qu'il y a 1 an et quelques mois qui passaient. Et puis, monsieur dit, nous ne pouvons pas le signer côté de préparer pour nous signer dans Starbucks, nous ne pouvons pas le signer là. Il dit comme ça, eh bien, notre premier on était supposé rencontrer l'autre côté, il dit non, venons Starbucks qui boit là quand même. Il dit, eh bien, pas de problème, nous allons dans Starbucks là. Il dit, nous ne pouvons pas venir dans Starbucks là. Et puis, nous allons dire comme ça, pour qu'il ne soit pas venu dans le building moyen, venir dans la bia en bas dans la sien. Bon, il dit, ok, pas de problème, je vais venir dans la bia ma sien. Là, je vais dans la bia, monsieur dit comme ça, pour qu'il ne soit pas monté en dans l'appartement, je me dis, eh bien, qu'est-ce que ça, c'est un monde fou. Comme mal fait, si on va avoir le fait mal monté dans l'appartement avec vous, le monde d'appartement, ça veut dire n'importe sa griveau, m'entend puisque moi, quand de la caillou, je dis, monsieur, je ne vais pas monter, je ne vais pas dire le business, ma faveur, le fait de pour m'entendre de la caillou, mal si on va comme ça. Donc, nègre là, tellement fâché, après nous fin fait un an et quelques mois, près de 14 mois de négociation, parce que je ne suis pas d'accord de signer un contrat dans la chambre de monsieur, dans le salon de monsieur, je campé en bas, dans la bille, monsieur passé avec un gros chapeau par la tête de la Argentine, monsieur passé un contrat. Je me garde, moi, non combat spirituel. C'est après 14 mois. Vous me dites, waouh, quelle est la parole pour ta parler, hein? C'est pas. Quelle est ton cause sérieux? Quelle est la forme à rentrer dans la prière? Et puis l'année fait 14 mois en décembre, pour nous avoir commencement année, nous avons fait 3 jours jeunes. Combien de monde qui songe ça? 3 jours jeunes d'Esther, sans manger, sans boire. Pour nous avoir 3 jours jeunes d'Esther, ça, on prend une enveloppe qui a un contrat là-dedans, et puis je viens devant mon Dieu pour 3 jours de jeûne. Pendant 3 jours de jeûne, je me focus, je prie, je frappe. Vous comprenez? Mais chaque temps, je fais épée, je prends une enveloppe là. Kounia, ma voye pe, même voye pe avec force. Kounia, pendant ma voye pe, m'di, mon église yo là, si moi y'a dit, c'est gadjon pasteur remè nous, gadjon la voye pe pour nous. Gadjon pasteur remè l'église, la voye pe. La dit que yon pas connaissez la femme d'abrégu. Yo là, ma. Na tabè nan de toi, tout moun dégageon, l'envoi moun. Ma voye pe pour 3 jours. Malgré que je fais 3 jours là, rien n'est pour qu'on semble capable de marcher. Et bah, nous avons des difficultés toujours. Et puis, nous avons des bons dieux qui disent que ça entre dans 21 jours de jeûne. Le, ça, sur, la Pâque, pour arriver et puis nous faisons 21 jours de jeûne. Nous commençons à me dire Seigneur, je fais 21 jours de jeûne pour contracter ça. Si, je ne vais pas courir. Le map dit ça, ça veut dire que nous avons fini en mars, nous avons sous 1 an et demi. Il y a un bagage qui était supposé faire dans 1 mois, 2 mois. Nous avons couru sous 16 mois, 17 mois. Il faut que j'aime café. M'entraînons 21 jours de jeûne. Et puis, je me dis, je fais 21 jours de jeûne pour contre-assassin. M'entraînons jeune homme, je fais 21 jours de jeûne. Non, c'est ton jour de jeûne de Daniel. Et je ne jamais oublier ça. L'homme arrive dans le dernier jour. Nous avons terminé le jeûne un dimanche matin. L'homme arrive dans le dernier jour. Et puis, bras levé, entre sommeil et réveil, bras levé. Avant de me lever, je regarde, je m'entraîne dans la caille là. Caille côté de bras l'acheter, que je habite là dans bras l'acheter. Je m'entraîne dans la caille là. Et puis je me dis, dehors. Même quand je me dis, dehors, mon paquet de petits souris.
m'voyons, mais pendant le rêve là, m'voyons pas qu'être sourit, mais yo semblait sourit qui te prend coup. Gagné qui ton ou kawe tête un peu crasé, etc. Et puis il a couru. Et puis soudainement, m'comprenne, dans trois jours jeune, non, dans l'épée m'a tiré, bon Dieu te baillon un pile coup, mais yo pour qu'on mourir. A me déclarer toute bagat pour qu'on mourir. Dans 40 jours de jeûne, ça c'est pour l'éternel crasé, tête yo. Sa bagage, ça te vient montrer, m'a quel combat ou à mener. Yon seul jeune qui doit passer. Yon seul jeune qui doit passer. Yon seul moment qui doit passer. Parce que les m'ap couri, moué yon prend coup. Moué yon chétif, moué gagne quoi yon. Bagay, même koné se kou yon te prend, nan pren premier jeune yon. Mais te besoin yon 21 jours jeune pour te terminer. Moi déclare c'est pour 40 jours jeune ça. Terminer tout ça pour qu'on termine dans la vie. M'gade m'di peur. Et puis, je me suis couru presque 200, 300. Et puis, je me suis couru dans la cale, sorti dans la cale dans toute direction. Je me fais rêve là, le dimanche, dans mercredi, trois jours plus tard, contrat signé, toute bagarre fin fait, qu'a acheté. Ça, pas qu'a fait dans un an et demi, il fait dans à peu près trois jours. Toute bagarre réglé. Three business days. Lundi, mardi, mercredi. Contrat signé, il dit done. Ça veut dire, le madame, expérience à apprendre mon paquet de bagages. Ça veut dire, le madame, regardez le théorème, mon apparaît, son esprit de pauvreté qui vient devant madame. Son esprit de pauvreté. Et puis, esprit de pauvreté à permettre qu'il campagne, il dit, est-ce que pasteur qu'on a acheté quatre? Ça veut dire, ça, son esprit de pauvreté qui grand pile pasteur maré. Des pasteurs qui vivent dans la pauvreté, ils pensent que c'est bon Dieu qui fait yo dans la situation ça pour qu'ils cassent du bon Dieu puis bien. Et pourtant, c'est l'esprit de pauvreté qui marie. Moi, je déclare pas qu'il y a un esprit de pauvreté qui marie. Prenez job! Pauvreté pas marie, il pas marie tabernacle de gloire, il pas marie ministère, il pas marie musicien, il pas marie aucun grand monde qui là. Au nom de Jésus de Nazareth, levez mon dit gloire! Donc, il y a un pasteur, et puis, vous comprenez, même la Bible ouverte devant, et puis le temps de grand esprit qui a dit comme ça. Tant que vous pouvez servir bon Dieu, puis bien. Tant que vous pouvez servir mon Dieu. Pour lui, il pense que le Saint-Esprit qui a parlé, puis son esprit de pauvreté qui a parlé. L'esprit a dit, est-ce que pasteur qu'on a acheté car? Ça veut dire un esprit de pauvreté qui vient, bloquer. Et puis, l'un prononce ces paroles-là, et puis, il a volé. Gage, trois jours, it's done. Déclarer toute vie esprit de pauvreté qui marie, c'est pour l'éternel craser devant au nom de Jésus. Tade, m'a terminé pour nous prier. Grand pile l'autre bagaille, moi, t'es capable de dire. Grand pile l'autre bagaille. Bam, m'ajoute yon seul grain. L'autre encore. Mais ge, tout ça m'a couvri, yon nous capable de joindre dans le livre là. Gen moun kap dormi qui oué gros oiseau, qui oué oiseau, a vin poser sous tête ou. L'oué oiseau a vin poser sous tête ou. Que c'est aigle, que c'est mal fini, que c'est quel que soit type de oiseau, son mauvais rêve que lié. Ça que fait ça. Gardez Matthieu chapitre 24, verset 28. Matthieu chapitre 24, verset 28. En nous lisant ensemble. Regarde qui ça, Jésus dit. Il dit, et en quelque lieu que ce soit le cadavre, ça semblera. En quelque lieu que ce soit le cadavre, ça semblera qui ça? Les aigles. Donc cela veut dire, l'eau a dormi ou gado ouais, oiseau a vim posé sous tête ou son esprit de mort que lié. Oiseau, ça représente un esprit de mort. Parce que, eh bien, oiseau. Aigle mal fini, c'est sous cadavre que lié. C'est ça que fait le Joseph. Et nègre là, t'es fait, et songe là, t'es gagné une qui t'es ouais, t'as servi ou à, gon l'autre qui t'es ouais, oiseau posé sous tête li, sa oiseau posé sous tête li, Joseph te dit, ou bral perdu la vie ou bral perdu tête ou. Parce que oiseau vient poser là, lui poser sous cadavre, son esprit de mort lié. Donc l'homme on a dormi pour garder ouais oiseau a vu une posée sous tête tout ça veut dire son esprit de mort son expédition de mort que diable a volé d'elle mais moi déclarer la soirée au nom de Jésus tout le monde oiseau a poursuivre tout le monde oiseau a vu une camper sous tête yo au nom de Jésus tout le monde qui est esprit de mort qui a poursuivre yo nous déclarer le prince de la vie le prince de la vie le prince de la vie lila au nom de Jésus tout esprit oiseau esprit mal fini au nom de Jésus, esprit de mort, moi commando tomber. Levez-moi, elle dit tomber.
Dites tomber. Dites tomber. Dites tomber. Dites tomber. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Si m'appelait de faire mauvais rêve, comment qui ça pour me faire pour me capable gagner la victoire sur rêve ça yo? Trois conseils m'a baou pour terminer. Numéro 1. Si m'appelait de faire mauvais rêve, ou rêver mal fini qui a bien posé sous tête ou rêver rat qui a couru derrière esprit de pauvreté ou garder une mouche qui entoure ou garder esprit chien qui autour de vous ou garder renard qui autour de vous ou que toute qualité de vie rêve ça ou a fait. Premier bagage ou besoin fait en tant que chrétien, premièrement sous pas converti ou besoin converti, est-ce qu'on avait main parce que seul monde qui a bon protection est Jésus de Nazareth. Maintenant sous converti déjà ou converti déjà, premier bagage ou bal besoin fait, ou bal besoin développer une vie de prière, ou bal besoin développer une vie de prière, une vie de consécration, sous pas gagner une vie de dévotion dans la présence de Dieu chaque matin quand on levé ou à passer temps dans la prière, dans la présence de Dieu, ou bal besoin développer habitude ça. Ça fait nous ça parce que Psaume 91 verset 1, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'or en bas, l'ombre. Ombre du Tout-Puissant, qui ça le représentait? Il représentait la présence de Dieu. L'heure où en dedans, bon Dieu. La Bible dit comme ça, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire où fourré corps en bas, ventre, bon Dieu. Est-ce qu'on va laisser ça dire là? Les diables campés contre nous-mêmes, les bacas campés contre nous-mêmes, les renards campés contre nous-mêmes, les serpents campés contre nous-mêmes, les esprits mal finis campés contre nous. La Bible dit comme ça, al fourré en dans mon Dieu, al fourré dans la prière, cherchez côté la prière, cherchez côté le jeûne, cherchez côté la parole, make sure que ou toujours environné de la présence de Dieu. Lors environné de la présence de Dieu, qui ça le fait? La Bible dit, l'Éternel dit, c'est dans le livre de Sophonie, il dit, je serai une muraille de feu autour de Jérusalem. Il dit, je serai une muraille de feu. Ça veut dire, l'on fourré au homme de mon Dieu, les diables viennent chercher, ils joignent une muraille de feu qui tout autour de vous. Les bacs viennent chercher, ils joignent nous en dedans du feu. Est-ce qu'on va les dire? C'est du feu joindre. Les renards viennent chercher, ils joignent du feu. Les lions viennent chercher, ils joignent du feu. Est-ce qu'on va les dire? Les malfinis viennent chercher, ils joignent du feu parce qu'on caché en dans l'Éternel. Sous d'accord, ça me dit à dire gloire. Deuxième bagage qu'on besoin fait, ou besoin fourré en dans mon Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc fourré en bas, zèle l'Éternel, la présence mon Dieu. Et vous faites ça à travers la prière, le jeûne. Marchez constamment dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église est samedi? Hein? L'on a mené la guerre spirituelle, c'est pour marcher constamment dans la présence de Dieu. L'on a marché pendant la journée, chantons chant. C'est pour toujours sentir présence de Dieu enveloppée. C'est pour toujours sentir présence, mon Dieu, environnée. L'on a marché dans la marché dans la présence là. L'on a travaillé dans la présence là. L'on a dormi, al dormi dans la présence là. L'on a mené combat spirituel, gen tintin ou pas garder avant al dormi. Gen bagage négatif ou pas garder al dormi. Gen vie mauvaise nouvelle ou pas prendre pendant avant al dormi. L'on a dormi ou dormi dans la présence là et puis les diables a venir, les jeunes présence là envahir tant qu'il y a une muraille de feu. Levez mon dit gloire. Deuxième conseil ou besoin appliquer. Make sure que vous menez une vie qui pure, qui claire devant bon Dieu. Make sure que vous menez une vie qui droite. Dans Jean chapitre 14, le verset 30, il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. L'on va mener la guerre spirituelle, c'est pour make sure que diable n'a pas rien à faire la caillou. Ou pas qu'a dit yon nom mettel dehors si a fait nan caillou. C'est pas ça? Gen moun ki kon acheté, machine ici et puis l'acheter machine nan et puis machine nan parqué nan garage li et puis pendant l'a dormi, l'el vini li levé, li gade loin yon entré en dans garage a yon pran. Ou pas qu'a dit l'pa entré nan garage là parce que depuis machine nan pou compagnie,
li gen droit entrer dans garage. Est-ce qu'avec moi, gen moun ki gen meuble et puis là yo sorti, yo gade ouais compagnie meuble là en train de caille là, li vin prend meuble là ou pas ka di rete dehors si a fait l'homme de caillou. Donc cela veut dire ou pas ka di Satan pour pas vivre dans la vie, si vol li, mensonge li, hypocrisie li, adultère li, fornication li, pornographie li, trompe li, et puis tout bagali dans la vie, et puis wap di rete dehors. Est-ce qu'on t'entend ça m'a dit là? Là wap mené combat spirituel, c'est pour la voie droite. N'importe si bagay ou fait qui parle en volonté mon Dieu, mets-toi à genoux, dis Seigneur mando pardon. Ça me dit à c'est ton menti que le t'ayé. Moi t'ai exagéré. Moi mando pardon pour ça. Si m'gen pour me corriger devant mon nan, corriger devant mon nom. Mais je ne peux pas quitter pour diable là, qui accède dans la vie. Vivre dans la présence de Dieu, mener une vie qui est pure. Maintenant, mes derniers secrets, l'offre vivre dans la présence de Dieu et pour mener une vie qui est pure, qu'on y a mais qui soit besoin fait. L'or gagné, c'est pas qu'à attaquer, l'or gagné, renard qu'à attaquer, l'or gagné, mal fini qu'à attaquer, l'or gagné, rat qu'à attaquer, moins gagné, moins qu'on est un animal. Yo même yore l'élan, le roi de la forêt. Quel que soit animal ou yé, monsieur papel, parce que monsieur tellement méchant, c'est ça qui fait yore le roi. Éléphant pas fait le paix, caïman pas fait le paix. Est-ce qu'on a des samam dit là? Ou un a pas fait le paix, nous t'en des samam dit là? Alléluia, rat pas fait le paix, toro pas fait le paix. Monsieur tellement terrible, est-ce que t'en des samam dit là? Les monsieur a volé, il est capable de voler jusqu'à 30 pieds de hauteur. Les monsieur a couru, il est capable de courir plus rapide par son machine. Il est capable de courir, alléluia, 60 000 à l'heure. Les monsieur a grondé, il est capable de camper là et puis le gronder et puis tout 95 tendez. Parce que le cas grondé et puis voile, ou capable de tendre 5 miles away. Il y aurait les monsieur le lion. Il y aurait les monsieur le lion et puis m'tendez Jésus m'a servi à m'tendez il y aurait la rose de Saron, m'tendez il y aurait le lily de la vallée et puis m'tendez il y aurait le lion de la tribu de Judas. Ça veut dire l'on va mener combat spirituel depuis qu'on est la vie ou droite, depuis qu'on est en bas l'ombre du tout puissant, quel que soit sa attaque ou là pendant soudain en cabane ou en dit lion de Judas. Où tu lion de Judas? Où tu lion de Judas? C'est pas paraître devant qui sortit. Ou un appareil devant qui sortit. Bœuf paraît devant qui sortit. Scorpion paraît devant qui sortit. Mal fini paraît devant qui sortit. Rat paraît devant qui sortit. Lion de la tribu de Judas. C'est pour lion de la Bible de Judas attaquer vous. C'est pour lion de la Bible de Judas parler vous. C'est pour lion de la Bible de Judas combattre vous. C'est pour lion de la Bible de Judas avoir victoire. Au nom de Jésus. 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 Levez camper. Levez camper. Commencez à marcher dans la salle. Commencez à battre. Commencez à dire ça. Lion de la tribu de Judas. Attaquez. Attaquez. Attaquez à soi. Entrez dans la prière. Entrez dans la prière. Soyez Mbabdou qui prie pour faire Mbabdou qui parole pour parler Mbabdou qui soit besoin prononcer dégage-toi avec l'Éternel qui rêve à plein d'effets qui a plein de bons problèmes qui rêve à plein d'effets qui pense au gagner qui vision à plein d'effets qui a plein de bons problèmes qui va attaquer qui va qui serpent qui renard qui a plein d'attaquer malé parler. Parlez, parlez, qui renard qui a attaqué, qui guette qui a attaqué, qui mal fini qui a attaqué, qui serpent qui a attaqué, quel que soit sa lié, mandez le lion de la tribu de Judas pour l'attaquer au nom de Jésus. Esprit, 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 esprit rat, moi pas mourir dans la misère, lion de la tribu de Judas, attaquez-le, esprit guette, ou pas que la victoire sur moi, lion de la tribu de Judas, attaquez, esprit taureau, ou pas fin oppressé, ni ou pas fin opprimé, ni ou pas fin crasé, lion de la tribu de Judas, attaquez, esprit chien, ou pas fin faire vivre dans l'immoralité, ou pas faire vivre dans l'adultère, ou pas faire vivre.
vivre dans l'impureté. Lion de la tribu de Juda, attaqué. Esprit renard qui vient craser. Lion de la tribu. Parle avec mon Dieu. Parlez. Lion de la tribu de Juda. Moi elle va attaquer à soi. Moi elle va attaquer. Quel que soit rêve ou habitué fait, présente tes rêves là devant mon Dieu. Dis mon Dieu, attaqué. Tout ça qui apparaît sous femme, tout ça qui apparaît sous femme garçon, tout ça qui apparaît sous femme cabrite, tout ça qui apparaît sous femme joual, tout ça qui apparaît sous femme bœuf. Lion de la tribu de Juda. Hey. Parlez. Dis l'Éternel pour le craser vous. Dis l'Éternel pour le dévorer vous. Dis l'Éternel pour le aïe. Yes. Espéke de mo shakarabasina. Rebebeke de mo sarabaya. Roboko se de mo sharabaya. Roboko se de me yede. Nimaka rebeke de mo shara. Rabase de mo sakaya. Rebeke sarakaya rabasharabaya de mo samara. Comme un canaïti la captande. Lion de la tribu de Juda. Apatake bougounia. Gomoun kounia. Qui en sommeil et réveille, qu'on sait pas qui sont en bas en mer, qui a peine attaqué, moi, ouais, le lion de la Bible de Juda, qui a pris au nom de Jésus de Nazareth, Gomoun qui l'a, qui diable racial, qui conduit habitation, qui a campé devant, moi, le lion de la Bible de Juda, qui a attaqué, moi, le lion de la Bible de Juda,